Bonjour, vous sortez de la maternité aujourd'hui avec Valentin, hein, et c'est votre premier bébé? Oui, tout à fait. Alors je dois vous faire une information sur les pleurs du bébé et sur le syndrome du bébé secoué. Est-ce que selon vous, c'est normal qu'un bébé puisse pleurer jusqu'à 2 heures par jour une fois que vous avez vérifié qu'il n'a pas de fièvre, qu'il a pas faim, que sa couche est propre, vous avez fait un câlin? Non, je pense pas. Et vous? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du bébé secoué? Non. Est-ce que selon vous, on peut, en jouant avec un bébé, le secouer? Oui, je comprends. Oui, est-ce que selon vous, secouer un bébé, c'est plus grave, moins grave ou pareil qu'une chute de table allongée? C'est pareil. C'est aussi bon. Est-ce que selon vous, c'est plus grave, secouer, c'est plus grave, moins grave ou pareil qu'une gifle ou qu'une fessée? Pareil. Imaginez que votre bébé pleure depuis 2 heures. Vous avez tout fait pour le calmer et il continue à pleurer. Et vous êtes exaspéré. Que pouvez-vous faire? Dure la question. Ouais. Bah déjà, s'il y a quelqu'un d'autre, demandez à quelqu'un d'autre s'il peut essayer de voir. Donc demandez de l'aide à quelqu'un. Voilà. Et justement, si vous êtes dans cette situation, est-ce que vous avez quelqu'un qui demande de l'aide? Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous avez ta famille ou un membre des amis à qui demander de l'aide? Bah, pas tout de suite, enfin, c'est sûr, mais après, moi, je peux téléphoner, il n'y a pas de souci. Oui, c'est un de nos parents qui habite pas loin, donc c'est que vous pouvez leur demander un conseil. Très bien.